Bonjour! Alors, ça va? Bon, j'espère que mes petits discours tous les jours sur les pop-up et les livrets systèmes vous intéressent, vous plaisent. Hein? Continuez, parce que je pense que même après le déconfinement, je continuerai parce que j'aime bien. Donc aujourd'hui, un petit livre qui s'adresse au papa, hein? Dit papa, Jean-Luc Badinot, Jean-Charles Rousseau, Bayard Jeunesse, et c'est un bouquin de 2007. Dis papa. Alors, je le garde sur mes genoux, tiens. Dis papa. L'ourson. Dis papa, si j'étais grand, est-ce que tu serais content? Si la glace des banquises avait le goût des cerises, et s'il poussait des fleurs pour maman et petite sœur, si maman faisait ses courses tous les soirs sur la grande ourse, serait-elle danseuse étoile sous l'aurore boréale? Dis papa. Si j'étais grand, est-ce que tu serais content? L'ourson. L'écureuil. Quand tu fais tes provisions de noisettes ou de glands pour la mauvaise saison, n'oublie pas d'être élégant. Quand tu sautes, quand tu descends du panache, mon enfant, quand tu grimpes en bondissant du panache, tu m'entends? L'éléphant. Développe ta mémoire, qu'il soit tôt, qu'il soit tard. Mémoire d'éléphanteau, qu'il soit tard ou qu'il soit tôt. Depuis que je suis enfant, j'ai mémoire d'éléphant. J'ai appris vraiment par cœur des poèmes de bonheur. Ils me donnent du bonheur énormément. Éléphantastiquement. L'éléphant. La grenouille. Les batraciens et les grenouilles font la foire de la patouille. Par temps gris sous les nuages, il faut cesser d'être sage. S'il peut averse ou tombe un grain, ma fille, finis le chagrin. Les batraciens et les grenouilles font la foire de la patouille. Ma princesse des prévisions, il faut sauter sur l'occasion. Si quand il pleut tu fais la fête, tu seras reine des rainettes. La grenouille. Le manchot. Sur un pied, tu te dandines, sur l'autre, tu te déplaces. L'espace d'une comptine, tu patines sur la glace. Tu es beau dans ton smoking. As-tu serré tes godasses pour aller voir ta pingouine? Qui t'admire et qui t'embrasse? Si tu crois que tu l'adores, ne va pas perdre l'honneur. Sur un pied, tu te dandines, sur l'autre, tu te déplaces. L'espace d'une comptine, tu patines sur la glace. Le manchot. Le lapin. Fais dodo, lapin, mon petit père. Fais dodo, petit lapineau. Fais dodo sur l'oreiller dans la chaleur du clapier. Et si tu rêves d'épinards, tu feras fuir le renard. N'écoute pas la hulotte, tu rêveras de carottes. Dors bien sur tes deux oreilles, tu auras un bon sommeil. Fais dodo, lapin, mon petit père. Fais dodo, mon petit lapineau. La chouette. Oh, mon chouchou, ma chouette, ouvre donc l'œil, sors de ta couette. Dans la nuit noire, ma fillette, quand tout s'endort, on fait la fête. La demoiselle que l'on éduque au bal donné par le grand-duc apprend à danser le frou-frou sous la direction du hibou et la polka et la gavotte sous les conseils de la hulotte. Quand on est une dame blanche, toutes les nuits sont des nuits blanches. Voilà, j'adore ce livre. Puis les petites comptines sont très très belles. Voilà, dans ce bestiaire tendre et poétique d'étonnants animaux de papier surgissent des passes comme magie. Ils échangent les mots doux, les conseils, les encouragements qui se chuchotent entre un père et son enfant. Un traité d'éducation aussi naturel, original qu'amusant sur le monde des animaux. J'aime bien ce livre, il est très très beau. Jean-Hugues Malino, Jean-Charles Rousseau, dit papa. J'espère que ça vous a plu aujourd'hui. Et j'ai essayé de m'appliquer pour la lecture. Bon, sur ce, continuez bien ce petit confinement. On approche au bout. Gentiment. Voilà, sur ce, je vous aime. Vous, messieurs, vous, mesdames, vous, les enfants. Et puis, ben, tous les gens qui me connaissent, tous les gens qui me reconnaissent, à qui, j'espère, j'apporte un peu de plaisir, de bonheur dans ces moments difficiles. Oh,
Et ce bon aujourd'hui, ce lyrique en plus. Allez, je vous aime. Bisous.